va donner du jeu. C'est un début de parcours qu'on connaît très bien, une traversée du golfe de Gascogne dans des systèmes sûrement dépressionnaires, une descente le long du Portugal avec un passage à Gibraltar, et puis après Gibraltar, c'est la Méditerranée. On ne sait pas de quoi on sera accueilli, et c'est ça justement qui est excitant. Et en tout cas, on a hâte de la redécouvrir, j'ai envie de dire, avec nos bateaux. On fait beaucoup de navigation offshore. La semaine dernière, on a eu une course de 24 heures avec tous les autres ultimes qui seront concurrents sur cette Finistère Atlantique concernant Antibes. On a un stage au centre d'entraînement de Port-la-Forêt tous ensemble de 3 jours et 2 nuits. Les entraînements, ça continue, c'est en cours.